cliente, elle revient pour des retouches ou autre, on va faire en sorte de toujours poser, c'est un peu redondant malheureusement pour la cliente, mais on pose toujours les mêmes questions, est-ce que ça va, est-ce que la longueur ne vous gêne pas, est-ce que vous n'avez pas senti que ça gratte, etc. Même si on sait pertinemment que ça ne devrait pas gratter, oui, si tout est fait correctement, bien évidemment. Mais parfois, elles vous disent, ah bah oui, mais j'ai tiré sur mes cils, ou ah bah je m'en suis pas rendu compte, j'ai coincé mon cil dans le mascara, et peut-être c'était pas le bon mascara à utiliser. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qu'on s'assurera tout au long de la pose, pendant, avant et après. J'imagine que les téléspectatrices se demandent, à force d'enlever, c'est un peu comme le système de gel sur les ongles, à force d'enlever les cils, de coller, de recoller et de le faire systématiquement, est-ce qu'il n'y a pas un risque de que les cils tombent et d'épuiser notre réserve de cils? Oui, c'est souvent ce que les clientes se demandent. Alors, on n'enlève pas les cils, vos cils tombent naturellement. Il faut savoir que vous avez un cycle de vie pour les cils qui tourne entre 60 et 90 jours et votre cils tombe naturellement. Il tombe tous les jours, vous en rendez pas compte, sauf que là, avec l'extension... Voilà. Donc là, avec l'extension, en fait, vous avez... Vous rendez compte que vous avez le cil qui tombe. Mais c'est tout simplement parce que le cil est mort et que votre extension est dessus et que ça tombe. D'accord. Donc en fait, c'est renouveler, voilà, c'est un turnover comme ça de repousse de cils. Et donc la technicienne, elle devra à ce moment-là faire un choix entre des cils, ce qu'on appelle nous des bébés, des adolescents et des adultes. Wow. Donc les bébés, on va pas porter les cils parce qu'ils sont encore trop fragiles, trop doux. L'adolescent, par contre, il est fort et dans la fleur de l'âge, donc il va pouvoir porter son extension, tout simplement. Donc voilà, la technicienne fera en sorte de toujours choisir le bon cil, mais on ne décolle pas le cil, à moins que vraiment qu'il soit à peine attaché, et puis là, il suffit juste de brosser, ça tombe. Donc les poils, les cils ne s'arrachent pas, on ne décolle pas, c'est un cycle naturel de vie. C'est ça. Que vous ayez des extensions ou pas, les cils seraient tombés, de toute façon. Ils tombent, c'est 60 à 90 jours de repousse, donc forcément vous avez un turnover et de cils qui repoussent. Vous ne vous rendez pas compte, mais ça se fait régulièrement.